Est-ce qu'on fait les deux dernières et puis on laisse la banquette du milieu là? Tu le sens, Jean-Mi? Les tombes ont été partiellement exhumées entre les années 20 et 30. Il y avait la tête ici, puisqu'on a encore les cervicales en place, avec son omoplate gauche qui subsiste. Mais on a l'avant-bras qui est posé sur l'abdomen avec la main gauche qui était sur le côté droit. Et puis les jambes, les cuisses ont disparu, mais par contre on a les extrémités des fémurs qui sont encore en place ici. Alors ici, pourquoi tous les corps n'ont pas été récupérés? C'était un cimetière provisoire, des exhumateurs, ils arrivent, ramassent les corps, mais ils sont pas très très précis. Et combien de temps on leur a donné pour exhumer 600 corps? Là, pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus. Les exhumateurs, ils devaient quand même avoir comme objectif d'essayer d'identifier les soldats qui les récupéraient. Ben moi, c'est ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on en ait autant. Peut-être que ça voudrait dire que les gars sont venus chercher le crâne, la médaille, reprennent quelques os, on va dire symboliquement, quoi, tu vois, et puis le travail est fait, quoi, tu vois. En gros, c'est ça. Il n'est pas trop mal conservé, celui-là. Ça peut être un kit de petit peigne à moustache. Il est très bien conservé, parce qu'il est en bronze argenté. Lorsqu'on trouve des soldats inconnus, ce sont des soldats inconnus, soit tombés sur le champ de bataille et enfouis par un obus, et donc on ne l'a jamais retrouvé, pas d'inhumation. Ou alors ce sont des inhumations très provisoires du début de guerre, en bord de sentier, dans un champ, etc. On se dit, bah, dans 3 mois, la guerre est finie, on viendra le rechercher. La sépulture disparaît sous les broussailles, on ne retrouve pas, ça devient soldat inconnu. Eh bien là, même si on est dans le cadre d'un cimetière, on a quand même des soldats inconnus. Et pour certains, on va leur retrouver un nom. C'est pour lequel que tu as les chaussures? On a le crâne qui est là, écrasé. Son étui à masque à gaz qui est ouvert, avec le casque. Et il semblerait qu'il était oublié aussi, celui-là. Il faut savoir qu'on a les deux pieds dans leurs bottes. On a les jambes qui sont en place, les rotules sur les genoux. Les cuisses qui apparaissent déjà bien. On est parti de l'omoplate. Et on a l'humérus qui vient s'emboîter dans l'omoplate. On a la clavicule. Bon, la main qui est en place sur le thorax. Ouais, là, en fait, plus ça va, plus il apparaît que le soldat est probablement un des soldats qui aurait été oublié, puisqu'il a l'air complet, hein, avec la main en position sur l'abdomen. Les lombaires, le bassin, les jambes en connexion. Donc on est très probablement dans le même cas de figure que celui qui est à côté. Il a été inhumé venant directement du champ de bataille et il a été totalement oublié lors des exhumations des années 25. Et là, qui apparaît, un petit miroir. Ah, puis il est décoré en plus. Voilà, très belle pièce. D'abord regarder en dessous. Ah, c'est bien un petit miroir, hein. Pas de problème, avec le cerclage qui va avec. C'est qui l'officier? Eh, ça ressemblera bien au général Hindenburg. Hein. En tout cas, c'est franchement un magnifique miroir. Hein. Waouh! Apparemment, c'est le même modèle qu'on a. Le crâne est cassé. Bah oui, je le concède. Mais on verra bien quand on l'aura dégagé complètement. Il a le front qui a lâché en fait. La face qui est tombée d'un côté, la frontale de l'autre. Puis je vais continuer à dégager. Mal la tête, mal la tête. Il y a peut-être une plaque là ici. Ouais. Par contre, elle est en très mauvais état. Quoi. Écoute, en plus, elle a l'air d'être une demi-plaque a priori. Ouais. Elle est complètement corrodée. T'as une fracture ici, une autre là dans ce sens-là. Là, elle est un peu brisée aussi.
J'ai l'impression qu'elle se délite. C'est quand même frustrant parce qu'on en a un bien complet. Il y a sa plaque et elle n'est pas lisible. Bon alors, s'il avait une plaque d'identité, où est-ce qu'elle serait celle-là? Elle serait au niveau du cou, le haut de la poitrine. Là, il y a une plaque. Ah ouais, c'est bien ça. Elle devait être juste sous les... Il y a toujours deux perforations aux plaques sécables? Oui, c'est parce qu'elles étaient portées avec un petit lacet au cou. Ouais, malheureusement, il faudra faire une radio parce qu'elle est encore illisible. Avec un peu de chance, en tout cas, si on a suffisamment de lettres et de chiffres, on va pouvoir redonner un nom aux soldats, quoi. Là, c'est le bel oublié par excellence. Après brossage, lavage et radiographie, la plaque d'identité découverte par les archéologues à Boult-sur-Suippes, illisible au départ, révèle un nom, Auguste Silmeyer. D'autres indications précieuses y sont déchiffrables. 1295, son matricule. 14 novembre 1897, sa date de naissance. Phare 26, régiment d'artillerie auquel il appartient. Enfin, Paul, son village de naissance en Allemagne, en Basse-Saxe. Fort de ces éléments, il est aisé de remonter la trace de ce soldat. On retrouve ainsi dans le livre d'or de sa commune de Paul la confirmation de son identité, puis la date de sa mort le 16 avril 1917 à Boult-sur-Suippes. Lorsqu'il s'engage dans l'armée, Auguste rejoint la caserne de Verdun pour se former au maniement du canon. Puis il rejoint le front de Champagne. Après seulement 6 jours de combat, il tombe sous le coup des obus. Il a 19 ans. La lecture du journal du régiment Phare 26 révèle les détails de l'unique semaine de guerre qu'aura connue ce jeune soldat. Auguste arrive à Boult-sur-Suippes le 10 avril 1917, en pleine bataille du fort de Fresnes-lès-Reims. Entre ce fort tenu par les Français et le village de Boult occupé par les Allemands, les échanges de tirs sont incessants. La batterie d'Auguste a pour mission de s'approcher des positions françaises et de les détruire. Mais le 16 avril au matin, les Français lancent une attaque majeure. Dans le journal de route du régiment, la puissance des bombardements est décrite comme le jour du jugement dernier. Qu'éprouva la jeune recrue Silmeyer face à un tel déluge? Nous ne le saurons jamais, comme nous ne connaîtrons pas plus l'histoire de sa vie. Décédé très jeune, il n'a pas laissé de descendant direct et aucun document ne semble relater quelques faits ou événements le concernant. Sa vie s'est ainsi effacée, presque sans bruit. Toutefois, une photographie retrouvée tout récemment dans la collection d'un petit-neveu permet de mettre un visage sur le nom d'Auguste Silmeyer. Petit garçon, élégant dans son costume de ville, il apparaît assis avec sa famille, manifestement tranquille et heureux.